C'est un vrai séisme politique. À peine quelques mois que ce gouvernement est installé, il a failli être renversé. Si le Parlement avait normalement délibéré, la loi ne serait pas passée. Le peuple est massivement contre, les corps intermédiaires également. Et on est en train d'assister au chaos. La souveraineté, c'est le peuple. Hein. Michel Debré, le père de la Ve République, expliquait que quand il y avait autant de dissensus entre un président de la République et le peuple, la Constitution était claire, c'était la dissolution ou le référendum. Il ne veut pas dissoudre, il ne veut pas de référendum, il faut qu'il retire ce projet de loi. Les organisations syndicales ont demandé pendant des mois à être reçues par Emmanuel Macron, qui n'a pas daigné les recevoir. C'est un truc de fou, quoi. On m'appelle, je reçois tout le monde. Il ne veut pas les recevoir. Et puis, il va annoncer qu'il va les réunir. Ah, enfin, je souhaite bon courage, quoi. Il faut d'abord qu'ils retirent cette réforme. Il faut qu'ils reçoivent, évidemment, toutes les grandes organisations de la société civile et puis qu'ils travaillent avec nous. Je le dis à nouveau, il aurait dû commencer à faire comme ça. Il n'avait pas de majorité. Ben, il aurait dû commencer à travailler avec nous en disant ben, qu'est-ce que vous voulez comme réforme? On aurait discuté 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on serait mis d'accord entre les grandes formations républicaines. Les Français, enfin, ceux qui sont hostiles à cette réforme et qui se rendent compte que dans leur immense majorité, les Français sont contre et qui ne sont pas écoutés. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont complètement. Ils n'en peuvent plus, quoi. Alors, il ne faut pas s'étonner que ça manifeste, ça bloque et que ce soit de plus en plus difficile. Moi, je ne veux pas le chaos. Pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont faire. Mais je le redoute. Et en tout cas, chaos ou pas chaos, mais notre démocratie va sortir tellement écornée là, par tout ça. C'est notre bien le plus propre. Le système démocratique ne fonctionne plus là, dans notre pays. Ce n'est pas possible. Moi, j'en appelle solennellement à Emmanuel Macron pour vérifier cette loi et puis qu'il change de méthode et qu'il nous écoute enfin.